Bonjour, quatrième Creative Mornings à Paris. Et elle est spéciale parce que c'est un mois à thème et c'est le même thème pour les 30 villes à travers le monde. Donc tout le monde ce mois-ci parle de art et de technologie et de la magie que ça crée, le mariage des deux. Et nous, on a invité pour nous en parler Yacine d'Electronic Shadow. Donc on en a communiqué pas mal hein, sur Twitter et Facebook, vous avez pu voir ce qu'ils font, je pense. Hein. Mais sinon, il va vous expliquer plein de choses, montrer plein de choses. C'est très visuel ce qu'ils font, c'est très joli. Bonjour, bonjour à tous. Donc évidemment, moi non plus, je ne peux pas commencer sans remercier Alexandra Barquette et l'équipe des Creative Mornings. Je trouve une initiative vraiment très... très contemporaine, super intéressante. J'ai vu également ce qui a été fait sur les volets précédents et aussi le fait que ça se passe en même temps, le même jour, dans le monde entier, qui en plus, bon, ça croise notre travail. Le thème, évidemment, est passionnant, un peu au cœur de notre activité, voire même redondant dans la manière dont on l'exprime. Donc je m'appelle Yacine El-Kassi. Je représente Electronic Shadow, qui est un duo. Donc Nazia Mestaoui n'est pas avec nous ce matin parce qu'elle est au Brésil, où nous avons actuellement une exposition, où nous allons finir une exposition, d'où le bonjour dans les trois langues, la langue du 19e siècle, la langue du 20e siècle et la langue du 21e siècle, pour résumer. Technologie, art et technologie, juste pour aller très rapidement sur le sujet. Pour nous, effectivement, il y a beaucoup cette notion d'art numérique ou art de nouveaux médias ou art avec les nouvelles technologies, ce genre de choses. En vérité, c'est pas tellement c'est pas une question. C'est une question qui est à la fois fondamentale, mais elle est pas tellement réductrice sur la dimension artistique, ne serait-ce que la technologie. En fait, si on va dans l'étymologie du mot technologie de sa racine grecque, ça vient de techné. Techné, ça veut dire art. Ça veut dire art au sens large, c'est-à-dire c'est une activité humaine, c'est à la fois un savoir-faire, une technique, et tout simplement le mot qui a donné art, il n'y a pas d'autre mot pour exprimer l'art, et logia, ben, finalement l'étude comme quelque chose qui s'applique à l'ensemble des sciences. Donc c'est un petit peu une science de l'art. Une science de l'art, qu'est-ce que c'est une technologie? C'est justement l'état de l'art dans une civilisation à un moment donné, c'est-à-dire la technologie d'une civilisation à un moment donné, permet de produire un certain type d'art. Et d'ailleurs, l'histoire de l'art, en vérité, c'est une histoire des techniques, c'est une histoire de technologie. Les deux sont parallèles. Donc moi, j'utilise souvent la métaphore de l'arbre, l'arbre des technologies. C'est-à-dire qu'une technologie en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Et en fait, il y a une espèce de cohérence, une espèce de logique entre une graine qui est plantée et les branches qui se déroulent tout au long des siècles. Donc là, en fait, c'est une illustration qui vient d'un jeu vidéo qui, justement, est basé sur cette notion d'arbre technologique, qui s'appelle Civilisation, voilà, ça ne s'invente pas. Et pour résumer, on peut faire des raccourcis dans le temps en partant, justement, d'une idée, d'un concept, jusqu'à, à un moment donné, sa formalisation technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on sait utiliser un iPhone, c'est pas parce qu'on apprend à l'utiliser, c'est parce que dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire collectif, cet objet il existe déjà. Et effectivement, c'est quelque chose qui a plus à voir avec la magie, voire avec les mythologies.
qu'avec la pure technologie, une espèce comme ça d'aller-retour. Donc comme on peut revenir dans le passé pour voir d'où est-ce qu'on est issu, on peut également se projeter dans l'avenir. Et nous, c'est ce qu'on appelle le futuréalisme. Et le futuréalisme, donc, c'était le nom d'une exposition qu'on a produite l'année dernière au musée Granet à Aix-en-Provence, qui a duré 4 mois. On a présenté 17 dispositifs pour justement les 10 ans d'Electronic Shadow, puisqu'on a créé Electronic Shadow en 2000, et on avait donc toute une série d'installations, des concepts qui étaient proposés, une sorte de déambulation comme ça dans 10 ans de création, et avec une cohérence sur un certain nombre de thèmes, dont un est affiché sur mon t-shirt, dont les autres voilà, sont en train d'apparaître. Et autant d'œuvres, d'installations qui sont autant d'expériences en fait pour le public pour rentrer dans une idée. C'est-à-dire en fait, le principe, c'est de travailler de toute façon sur un art de l'expérience et de faire des propositions, de tirer le fil par rapport à une idée, de la mettre en scène dans une installation interactive pour permettre de se projeter vers un avenir possible. Donc, le thème principal et finalement le cœur de notre réflexion depuis 10 ans, c'est le rapport entre la matière physique et l'immatériel. Donc, quand je dis la matière et l'immatériel, je ne parle pas du réel et du virtuel, je parle vraiment de la matière physique qui peut être justement définie dans sa plus petite unité sous forme d'atomes, et la matière immatérielle qui, au final, est ce qu'on appelle des données, et voir en fait comment est-ce qu'on croise les deux, comment est-ce qu'il y a un aller-retour permanent entre les deux. Donc ce que vous voyez là, c'est la classification périodique des éléments, c'est le tableau de Mendeleïev, où on a la position comme ça de tous les éléments, le 99 étant le Einsteinium, c'est un petit clin d'œil, ES c'est notre signature. Et en fait, à travers ces thématiques, on va rentrer en fait dans notre travail. Donc on se réfère moins finalement à la technologie pure qu'à la philosophie, et j'ai l'habitude de citer Bergson en fait pour commencer ces présentations, puisqu'il place en 1896 vraiment les thèmes de ce qui est notre 21e siècle et vraiment les enjeux principaux de ce qui est notre rapport à l'immatériel. Donc j'appelle matière l'ensemble des images et perception de la matière, ces mêmes images rapportées à l'action possible d'une certaine image déterminée, mon corps. Dans cette phrase, on a à peu près tout. On a le rapport à la réalité, la notion même d'image, qui est une image justement qui est fabriquée dans notre perception, et puis notre interface avec l'environnement, et cette interface, c'est le corps. Et tout ce qu'il y a avant, c'est de l'ordre de l'histoire. Toute notre histoire des interfaces, toute notre projection, elle va justement dans ce rapport entre le corps comme interface et notre environnement, qui est justement un mélange de cette matière et de cet immatériel, et la manière dont ils vont se mélanger pour créer des expériences qui, quand elles sont écrites par un écrivain du 19e siècle, on appelle ça de la science-fiction ou de la magie, et quand elles sortent d'un laboratoire du MIT, on appelle ça de la technologie. Et entre les deux, des artistes comme nous, c'est-à-dire qui sont des chercheurs, en fait. C'est-à-dire que notre travail artistique est beaucoup plus souvent exposé dans des centres d'art, dans des lieux de recherche, des lieux de design, que dans des galeries. C'est-à-dire que c'est un type d'art qui ne vit pas du marché de l'art, en tout cas, pas encore, parce que c'est un art qui est jeune et qui est finalement au croisement, aux frontières, entre différentes disciplines. C'est-à-dire que quand je parlais de technologie, donc de cette notion d'un état de l'art à un moment donné, en vérité, la séparation en disciplines n'est pas quelque chose qui est consécutif des créateurs. C'est quelque chose qui est consécutif d'institutions à la limite, mais quelqu'un qui travaille, qui cherche, qui essaye des choses avec la technologie, va pouvoir les exploiter dans des disciplines extrêmement différentes, qui ont du design, l'architecture,
au spectacle, à l'industrie, etc. L'avantage de l'art, en tout cas comme domaine de création, c'est que c'est un laboratoire ouvert, c'est une usine de prototypes permanente, et c'est qu'il y a un dialogue avec le public qui est là dans l'expérience. Et au final, pour une expérience, entre guillemets, gratuite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de fonctionnalité directe. On est vraiment dans la projection, on est dans, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, dans le travail d'un imaginaire collectif. Donc, en deux mots, en fait, d'où on vient et comment est-ce qu'on est arrivé à ça? En 2000, quand on se rencontre, Nazia et architecte, elle travaille déjà sur les notions d'architecture d'information, sur l'urbanisme des data, donc un travail très, très expérimental. Et moi, je viens plutôt du monde de ce qu'on appelait, je ne sais pas si on l'appelle encore, si ça existe plus, enfin si ça existe, mais sur Internet, le multimédia, donc les CD-ROM, les DVD-ROM, la télévision. Et finalement, le croisement de cette rencontre, c'est ce qui donne, justement, le croisement entre l'espace et l'image, c'est ce qui donne vraiment littéralement cette notion d'électronique shadow, avec un tout premier projet qui était un projet de recherche, justement autour du corps comme interface, dans le cadre d'une exposition au MoMA, où on avait designé cette écharpe communicante, donc qui prenait place dans un vêtement, avec toute une série d'interfaces qui permettaient finalement d'augmenter sa présence dans l'espace numérique, mais un espace numérique qui était en devenir, hein, puisqu'en 2000, on n'a pas de réseaux sociaux, mais l'ensemble du dispositif fonctionnait, il était connecté à Internet, bon, Bluetooth à l'époque, on avait une espèce d'iPad, hein, une sorte de tablette tactile avec des gros boutons pour pouvoir accéder aux applications qui étaient connectées à Internet, de la visioconférence, on pouvait s'enfermer dans cette bulle pour écouter la musique, pour communiquer, etc. Donc l'ensemble des interfaces tournées autour du corps, le principe était de dire, ben justement, l'environnement de travail, l'exposition s'appelait WorkSpheres, le bureau de demain, c'est mon corps, c'est la mobilité. C'est justement de ne pas être attaché directement à un objet qui serait un ordinateur. On a toujours considéré les ordinateurs comme des objets transitoires qui avaient vocation à disparaître, ou en tout cas à se fondre dans le réel pour être directement au service de notre environnement. Donc là, on voit les différentes interfaces. Je vais aller assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, ça va être très très dense. La suite logique de cette réflexion, c'est de dire, bah, puisqu'à un moment donné, on peut porter son interface, est-ce que l'espace physique ne pourrait pas être en soi une interface? Pour ça, on passe un certain nombre de mois à Palerme pour dessiner le Centre culturel français, dont le principe était d'être un point sur ce qu'on appelait le 25e fuseau horaire. Donc là, il y a les 29 villes ce matin pour les Creative Mornings. Le principe est qu'un lieu physique, c'est une sorte d'espace immergé d'un iceberg mondial connecté, et que quelque chose qui se passe à un endroit peut avoir une conséquence à un autre endroit. Donc le projet a existé sur sa dimension architecturale, sur sa dimension technologique. En fait, ce n'était pas tellement une question de technologie, c'est une question politique. C'est une question de dire, ben, ça veut dire que notre institution doit fonctionner en peer-to-peer et pas en réseau qui part d'un point central et qui alimente l'ensemble des centres culturels. Et malheureusement, les centres culturels français, ils ferment aujourd'hui dans le monde, alors qu'on a un potentiel monstrueux de lieux qui sont installés dans le monde entier qui pourraient communiquer les uns avec les autres. Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, la démarche est déjà là. Donc ça a donné lieu, en fait, à une installation qu'on a montée en 2001, entre Palerme et Helsinki, où en fait on a créé un espace qu'on a coupé en deux. Une partie est exposée à Palerme, l'autre à Helsinki, les deux étaient interconnectés, et les deux publics interagissaient sur le même environnement dans la création d'une métaphore, d'une mer de mémoire, c'est ce qui s'appelait Méditerranée virtuelle. Donc ça a donné lieu, vous allez voir, enfin c'est très, c'est complètement non linéaire évidemment comme présentation, mais vous allez comprendre la cohérence au fur et à mesure. Une installation qui s'appelle Exil, qu'on a présenté pour la première fois en 2003, qui a été acquise dans la collection du FRAC Centre en 2009, et qui est une portion de cette mer virtuelle. Je vais essayer de mettre le son, mais on a un Larsen pas possible sur le... C'est épouvantable, je parle de son. Okay. Donc imaginez un bruit d'eau qui coule, puisqu'on a en fait une grande piscine qui fait 5 mètres de long sur 2 mètres de large, qui est remplie d'eau, de vraie eau. De chaque côté de la piscine, on a deux îles, un cercle lumineux et un cercle à l'intérieur du bassin. Et quand on se place physiquement dans la lumière, il y a en fait une silhouette qui se détache et qui nage jusqu'à l'autre rive, en laissant derrière elle une trace de son passage.
Donc c'est voilà, la mémoire de notre passage, sauf qu'en fait, l'ensemble des visiteurs laisse une trace, et les traces se superposent les unes aux autres en créant sur Internet, en temps réel, une sculpture qui évolue au fur et à mesure. Et cette sculpture, finalement, elle existe dans l'ensemble du monde en même temps. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'interagir dans ce bassin, de laisser sa trace, le public sur Internet pouvait également, simplement en cliquant sur un lien du projet, laisser sa propre trace et les deux se croiser à l'intérieur de ce bassin, d'où le nom Exil, puisque là on est finalement dans une portion d'un espace non géographique, d'un espace qui est partagé. Donc dans l'exposition, on présente à la fois le bassin. Ça, c'est pour montrer justement que le concept n'est pas forcément lié à la notion high-tech. C'est quelque chose qu'on a montré aussi dans des lieux patrimoniaux, qui fonctionne d'ailleurs assez bien dans les lieux patrimoniaux, parce que c'est un travail sur la mémoire. C'est vraiment un travail sur la stratification de la mémoire, sur les traces qu'on laisse. Donc, comme je disais, là, c'est la Biennale de Séville. L'ensemble des liens qui sont laissés par les visiteurs viennent se superposer. Aujourd'hui, on a une colonne qui a commencé il y a presque 10 ans, il y a 9 ans, et qui fait des centaines de milliers de liens, et l'équivalent de plusieurs dizaines de kilomètres de haut. Et ici, voilà, on voit des tirages en fait, de cet environnement, où finalement, l'ensemble, enfin, toutes ces lignes correspondent à des personnes physiques. Ce n'est pas un dessin où on a rajouté les choses, c'est vraiment un environnement vivant. Et ça, c'est le site internet qui permettait aux gens de faire la même chose de l'autre côté. En temps réel, on voit la silhouette qui passe d'un côté à l'autre. Ça veut dire que quelqu'un physiquement est en train d'être présent dans l'installation. Alors, par raccourci et par cohérence d'un projet à un autre, j'en arrive à notre toute dernière installation, celle pour laquelle Nazia est encore au Brésil, qui s'appelle One Man, One Tree. Donc toujours cette idée de mémoire, de trace. Vous allez voir qu'en fait, on la pousse encore un petit peu plus loin dans le rapport entre la dimension immatérielle et la dimension physique, puisque dans cette installation, on propose en fait au public de laisser sa trace sous une forme, sous la forme d'un arbre, c'est-à-dire qu'on a ces trois postes d'interaction. Bon, ils sont toujours assez proches hein, dans notre travail, puisque la présence compte plus finalement que l'action. Le fait d'être présent à un moment donné, à un endroit, a son importance. Donc en se plaçant dans la lumière, on a une graine de lumière qui tombe dans le sol et qui génère un arbre virtuel qui pousse devant nos yeux. Chaque arbre est numéroté, avec le moment précis, la date et l'heure de la création. Chaque arbre est unique. Et en fait, une fois que l'arbre est créé, il vient rejoindre la forêt à laquelle il appartient. La forêt, c'est évidemment les arbres qui ont été créés par les utilisateurs précédents. La suite de l'histoire, c'est que pour chaque arbre virtuel planté, on plante un arbre réel, un arbre physique. C'est-à-dire qu'un objet qui va finalement survivre à l'utilisateur, aux visiteurs, dans un process où finalement l'avatar devient le référent de cet objet réel et de cet arbre qui n'est pas seulement vu par rapport à sa dimension de matière, mais vraiment dans un process complet où on a d'abord un lien émotionnel avec l'arbre avant qu'il soit planté réellement et un principe de retour d'information pour les gens qui ont planté des arbres. Voilà, là juste la semaine dernière, il était aussi, on l'a utilisé pour un concert à Rio. Hop. Donc toujours dans cette notion en fait de double numérique, de double électronique, on a travaillé sur ces avatars qui sont en fait, le projet s'appelle le cristal de personnalité, et à travers une interface, on génère une forme unique qui est la représentation de la personnalité humaine par rapport à un certain nombre de critères, mais une personnalité non pas comme un test de personnalité, mais plus comme un vêtement, c'est-à-dire quelque chose qu'on a envie d'afficher. Donc le projet a démarré en 2000, et comme pour le projet précédent, l'idée est d'inverser le rapport entre la dimension physique et numérique en générant à partir de l'objet numérique une forme physique, donc avec la technique que vous connaissez de l'impression 3D. Et vraiment, on est extrêmement intéressé dans cet aller-retour et ce retour justement qui se fait vers le physique.
Donc en fait, quand on a pris le nom Electronic Shadow il y a 12 ans, il y avait évidemment cette dimension électronique numérique, il y avait également la notion de l'électron, à savoir l'échelle la plus petite de la matière et son rapport au corps. Donc Fiction is a Future Reality, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la notion de technologie, le fait de pouvoir se projeter dans un avenir et de le mettre en scène. C'est typiquement au retour de notre projet de Palerme, le projet d'architecture, avec cette intégration de l'image virtuelle à l'intérieur de l'architecture. À un moment donné, on a réfléchi, on a travaillé, comme on était sur cette problématique, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait les hybrider totalement, comment est-ce qu'on pouvait faire corps justement entre les deux. Et ça a donné lieu à ce qui était une expérience, qui est devenu un projet, qui est devenu également une technologie qui s'appelle le mapping 3D, puisqu'à l'époque, en tout cas, quand on l'a découvert, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, on l'a breveté à l'époque. Bon, c'est une autre histoire, puisque maintenant, c'est quelque chose qui est totalement du domaine public. Et en fait, dans cette première installation qui s'appelle 3 minutes au carré, donc on ne s'est pas contenté de faire une démonstration de la technologie. Ce qu'on a voulu, c'est raconter une histoire. C'est raconter ce qu'est un espace de vie limité, qui n'est pas défini par rapport à sa surface, mais par rapport aux différentes actions qui ont lieu dans cet espace, donc aux différentes pratiques, aux différentes fonctions. Donc l'espace se transforme en permanence par le biais de ses habitants qui n'utilisent pas d'autre interface que leur corps. Donc pour vous resituer, on est en 2003, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est tracking, Kinect, etc., est encore dans des labos ou n'est pas encore en tout cas disponible. Et quand quelque chose n'est pas disponible, mais que par contre il y a une évidence dans l'art des technologies qu'on se dirige dans cette direction, bah, c'est le moment où on bascule dans la fiction. C'est le moment où on utilise, en l'occurrence, une technologie qui est celle du mapping 3D, c'est-à-dire qu'on a un vidéoprojecteur pour couvrir l'ensemble de l'espace, mais par contre on met en scène une autre technologie ou une autre manière de concevoir l'espace et de concevoir le rapport à la matière en mettant en scène donc, ces deux silhouettes, ces deux personnages qui interagissent avec leur environnement à travers leurs gestes, qui transforment entièrement leur espace. Et là, en fait, on se projette même encore plus loin dans l'idée que finalement, la matière elle-même est quelque chose qui a vocation à devenir comme une image, c'est-à-dire à se transformer. C'est-à-dire que quelque chose de dur peut devenir quelque chose de mou, quelque chose de transparent peut devenir quelque chose d'opaque. Et du coup, ça fait à partir d'un espace restreint, d'un espace donné, une multitude, une infinité quasiment d'espaces. Donc on couvre, on traverse comme ça l'ensemble des possibles de cette petite maison, à travers ces deux personnages, dans un projet narratif. Alors je ne vais pas laisser des choses en entier, parce que sinon on n'aurait pas assez de temps, mais c'est des choses que vous pourrez retrouver sur Internet. Très très rapidement, je balaye aussi l'équivalent, la même chose, sur des toutes petites maquettes, qui faisait 60 cm et sur un projet en fait qui avait vocation à détricoter la grammaire de l'interactivité dans les jeux vidéo. Donc ça c'était présenté au Centre Pompidou et en fait la maquette était interactive, les gens pouvaient jouer avec les personnages qui étaient projetés comme ça en mapping 3D interactif sur les maquettes. Voilà, ça c'est ce que ça donne, hein, c'est la version. Alors ça, je le montre pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une autre problématique quand on fait comme ça de la recherche, c'est comment est-ce qu'on crée une activité autour de ça ? Et en fait, ce qui se passe très souvent quand on fait ce genre de projet, c'est qu'effectivement, la dimension artistique et ce bac à sable, ce laboratoire, est ce qui permet de déclencher finalement des projets ou des approches dans le monde réel, entre guillemets, dans le monde fonctionnel, et en l'occurrence, c'est quelque chose que je vais présenter plusieurs fois. Le pavillon de l'Arsenal, en voyant le projet au Centre Pompidou, nous avait demandé de réfléchir à sa maquette de Paris, qui était installée à l'époque, et sur lequel on a fait un énorme mapping à partir de deux projecteurs qui étaient sur les côtés, de manière à ce qu'il n'y ait rien au-dessus de la maquette, et dans lequel on racontait finalement l'histoire des différentes périodes historiques de Paris, etc. Alors, H2O, c'est à nouveau un projet extrêmement narratif, celui-là encore plus, puisque finalement c'est l'adaptation ou un hommage à une nouvelle de Adolfo Bioy Casares, qui est un écrivain argentin. C'est l'histoire en fait d'un prisonnier qui échoue avec son bateau, enfin, donc l'ensemble, le bateau fait naufrage et lui il s'échoue sur une île,
Et sur cette île, il se rend compte, il croit être seul, il croit être sur une île déserte, et il rencontre toute une communauté qui vit dans une espèce de château, et il tombe éperdument amoureux d'une femme qu'on imagine être cette femme, et il essaye de rentrer en contact avec elle. Elle est totalement sourde à tous ces... à toutes ces approches. Et en fait, il se rend compte, en rentrant dans le château, qu'il y a un certain professeur Morel qui a construit une machine qui a permis en fait à cette petite communauté d'enregistrer une semaine de sa vie pour que cette vie se poursuive à l'infini, pour devenir un petit peu immortel, sauf que le prix à payer, c'était de mourir après s'être enregistré. Donc finalement, il est face à des chimères, face à des sortes d'avatars physiques, réel, et il est tellement amoureux qu'il décide de s'enregistrer avec cette femme en faisant en sorte que tous ses gestes soient compatibles avec ceux de la femme, de manière à ce qu'une troisième personne qui arriverait sur l'île ait l'impression qu'ils sont ensemble pour l'éternité. Finalement, c'est une impression, c'est une image, et finalement, dans ce projet, on a ça. On a cette femme qui vit son cycle de manière éternelle, qui, encore une fois, interagit avec son environnement, qui est dans un espace un peu de rêve. C'est quelque chose qu'on a beaucoup montré dans le monde du design, donc on se posait plus la question de savoir si c'était joli et si on pouvait vivre là-dedans, ce qui est encore un autre domaine et quelque chose de très intéressant que la dimension narrative. Mais la dimension interactive fait que quand on se place sur ce tapis au sol, il y a un deuxième personnage qui rentre dans la scène, donc cet homme, qui vient se superposer comme une réalité parallèle au cycle de cette femme. Et finalement, la seule manière que lui a de voir les deux personnages qui sont réunis, c'est à travers le miroir. Donc déjà à travers un reflet, déjà à travers une illusion. Et le public, en fait, en fonction du moment où il arrive, va voir soit la femme seule, soit les deux, et va toujours être dans une situation où finalement on bascule en permanence entre ces deux réalités. Donc comme je disais, c'est un projet qui a été beaucoup présenté dans des expositions, mais aussi dans le monde du design, puisque pour nous, l'idée était de dire l'immatériel, l'espace est un média, et l'immatériel est aussi un nouveau terrain par rapport au design et par rapport à la notion d'environnement, par rapport au cadre de vie. Donc ce qui est vraiment toute une autre phase de notre démarche. Alors très très rapidement, je vais vous montrer encore ce projet qui s'appelle The Bride, qu'on a construit en collaboration avec un créateur de mode qui s'appelle Christophe Beaufeuille, qui a dessiné cette magnifique robe blanche en cuir sur laquelle on projette finalement la mémoire de cette robe et toutes les étapes de sa vie, en fait la personne qui a habité cette robe jusqu'au jour de son mariage, la robe qui est délaissée, qui est abandonnée, qui prend feu dans une espèce de cycle comme ça de la matière et qui renaît de ses cendres. Donc c'est quelque chose d'assez contemplatif. Celle-ci n'est pas du tout interactive. Par contre, les gens peuvent tourner autour. Je vais laisser 2 secondes. Et en fait, je vous montre ça parce qu'il y a un cheminement vers un certain nombre de projets qui sont notamment des projets de spectacle qui sont directement issus de ces premières expérimentations de notre première période. Donc là, on voit cette sorte de fantôme qui vient rentrer à l'intérieur de cette robe. On a l'impression que la robe est transparente et que la chimère est en train de prendre corps comme ça à l'intérieur du cuir. Donc en fait, il y a toute une manière de mettre en scène et de créer l'image spécifiquement par rapport au contexte. Bon, ce qui est aujourd'hui maintenant quelque chose de complètement classique, mais qui nous intéresse énormément dans la notion de mise en scène et dans cette notion de fiction. Un autre exemple très rapidement, une installation interactive sous forme de ce qu'on appelle des poèmes visuels, c'est-à-dire de mettre le public dans une situation de perception, dans une situation d'expérience, dans un espace donné, pour lui raconter des histoires. C'est-à-dire que quand il est en train de réfléchir à ce qu'il est en train de faire ou à ce qu'il est en train de voir, finalement il y a une narration qui se met en place. Et là, c'est aussi quelque chose qu'on a présenté au Salon du Meuble de Milan, entre autres, on l'a présenté dans différentes expositions, mais dans le monde du design, pour montrer que c'est aussi quelque chose qui prend place dans le cadre de vie. Et notamment, cette installation était synchronisée avec des systèmes de lumière colorée. Donc l'idée de dire que la lumière, l'image, l'espace font partie de notre perception, comme l'appelait Bergson, et que l'ensemble de ces objets, de ces images, forme la perception qu'on a de la réalité. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un cycle naturel du feu, et quand quelqu'un se place dans ce cercle, encore une fois, cette présence, on passe dans un cycle culturel. Donc c'est vraiment cette dichotomie, cette tension entre la dimension naturelle et culturelle qui est extrêmement présente dans notre travail, et qu'on a pu exprimer
en 2006 à travers notre rencontre avec Caroline Carlson, qui va justement être à un moment donné une sorte de grand laboratoire, de grande présentation de l'ensemble de ces concepts et de cette manière d'envisager l'espace. Donc j'en profite pour vous montrer aussi de la manière dont on travaille, c'est-à-dire qui ne part pas de la technologie, mais qui part vraiment de la perception finale, de l'objet qu'on a envie de fabriquer, qui passe ensuite évidemment par un travail de maquette, un travail de plan. Tout ça se fait à des échelles très, très réduites. Et puis ensuite, on aborde la scène et toutes les contraintes qu'elle comprend. Donc le spectacle est divisé en trois parties. Une partie sur la nature, sur l'héritage, sur finalement le monde qu'on voit en arrivant au monde. Ensuite, le monde que je fabrique, c'est l'architecture, la civilisation. Pour finir, sur le monde que j'imagine au sens large, c'est-à-dire aussi bien toute la dimension immatérielle des mathématiques, des sciences, de la philosophie et de l'art. Donc, dans la première partie, alors je suis désolé pour le son, on n'a vraiment pas réussi à résoudre le problème. Dans la première partie, Caroline porte une grande robe en soie qui couvre en fait l'ensemble de la scène. Donc elle est la Terre, elle sort de la Terre, elle est la Terre. Et on a ce motif en fait de l'œil, le spectacle s'appelle Double Vision, on a ce motif de l'œil qui se reflète comme ça dans le miroir et on passe en fait par une succession de tableaux de ces éléments naturels qui viennent se déchaîner comme ça sur scène jusqu'à sa disparition, elle s'efface comme ça derrière la scène. Le spectacle dure une heure comme ça sans interruption et pendant qu'elle disparaît, il y a ces grands panneaux qui descendent à des profondeurs différentes sur la scène et qui nous recréent une composition urbaine, qui nous recréent un espace beaucoup plus structuré. Elle a mis 2 minutes pour enlever sa robe et passer ce costume noir. La plupart des gens pensent que c'est un autre danseur, c'est elle qui est sur scène. Elle devient une espèce d'ombre qui devient justement beaucoup, totalement anonyme et qui se débat comme ça dans les lumières de la ville. Ensuite, donc, on a toute une série de jeux sur justement le rapport à l'espace, le clonage qu'on va voir dans cette séquence où elle danse justement avec ses clones. Donc il y a énormément d'images qui ont été prises au Japon suite aux différents voyages qu'on a pu faire là-bas et au prix qu'on a reçu sur le premier projet que j'ai présenté, 3000 mètres carrés. Donc là, notamment dans cette scène. Alors sur 3000 mètres carrés, ce qui était intéressant, c'est que nous, on avait l'impression de faire un projet high-tech. Et les Japonais nous ont donc remis ce grand prix du Japan Media Art Festival à Tokyo pour la raison simple que pour eux, ça leur rappelait leur habitat traditionnel. Parce que finalement, pour les Japonais, avoir une pièce, changer des parois, avoir des murs peints, avoir un jardin de 1 mètre carré qui donne l'impression qu'on donne sur un paysage, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans leur culture et où finalement ils reprochent aux Occidentaux d'avoir tué cette dimension puisque la culture contemporaine essaye de singer ou d'imiter notre rapport au mobilier. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulièrement intéressant, une vraie rencontre. Donc dans la troisième partie, les volets se lèvent lentement, sauf un. Donc l'ensemble du système est synchronisé sur la machine. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de synchroniser la dimension physique, les objets physiques, des moteurs, l'eau, l'ensemble des choses qui peuvent être contrôlées avec du courant électrique et l'image. Donc là, elle se met à tourner dans ce motif qui est vraiment un motif carlsonien de la rotation. On voit le texte qui tourne comme ça autour du sol. Et cette idée, finalement, que tout est vibration. La matière est vibration, le son est vibration, l'image est vibration. Et on a finalement des reflets qui viennent dans le sol. On projette aussi directement dans le miroir pendant que Caroline nous explique qu'il n'y a pas de ligne droite dans l'univers. Donc voilà, ça c'est quelque chose que... un spectacle qui tourne encore, donc on est vraiment très, 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 très heureux. Donc Atomize Data, cette notion que la matière même, c'est de l'information, que effectivement les technologies, si on parle de nouvelles technologies, c'est certainement pas les technologies numériques, c'est plus à aller voir du côté des nanotechnologies, c'est plus à aller voir du côté des nouveaux matériaux, des manières de manipuler ces matériaux. Et en 2010, on a eu l'occasion de travailler avec Saint-Gobain, avec son verre Privalite. Et on a créé ce qu'on appelait le pavillon des métamorphoses, pour lequel on fait justement un pas de plus dans ce qu'on exprimait avec 3 minutes au carré, mais en utilisant justement cette matière physique, ce verre particulier qui change d'opacité sur un courant électrique, en le synchronisant sur nos images et en créant finalement une multitude, une infinité possible de configurations à partir d'un espace donné, d'un espace simple. Donc on a 10 panneaux de verre qui sont pris en sandwich entre
un sol et un plafond, ce qui donne en fait déjà 1024 possibilités d'espaces différents uniquement sur les opacités de verre. Et là-dessus, on projette évidemment des images qui reconstituent aussi une multitude d'espaces qui viennent en plus se reprojeter sur les murs autour en fonction de la transparence des verres, etc. Et le principe, c'est ça, c'est de dire, voilà, l'espace est un média, mais la matière elle-même peut faire partie d'un scénario, on peut modifier cette matière et l'intégrer dans un espace global qui intègre à la fois l'image et la réalité. Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de choses, le genre d'expériences qu'on continue, qu'on poursuit et sur lesquelles on va de plus en plus loin au fur et à mesure que la technique nous le permet sur la base d'un scénario qui est plus finalement de l'ordre de la science-fiction. Alors la technologie Privalight, elle existe depuis très longtemps, mais en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un interrupteur, en appuyant sur l'interrupteur, le verre change. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé finalement un boîtier pour synchroniser l'ensemble des verres, ce qui n'était pas quelque chose de qui est livré en standard dans leur solution, et de rentrer finalement cette synchronisation dans le scénario. Donc comme tout à l'heure, ça donne lieu parfois à des commandes. Là, en l'occurrence, c'est un showroom qu'on a dessiné pour Schneider Electric qui parle de smart grid et qui reçoit plusieurs visites par jour dans leur espace à Ruelle Malmaison. Donc toujours cette idée de synchronisation de la matière, et on va revenir à l'eau avec Time Drop. Oups. Merci Bill Gates. Donc Time Drop, où finalement on a créé une sorte de fontaine où on synchronise les gouttes d'eau qui tombent dans ce bassin avec l'image. Et du coup, on crée une fontaine mixte, une fontaine hybride entre cette matière qui est l'eau, cette matière qui nous compose, cette matière, encore une fois, qui nous renvoie à la mémoire, qui nous renvoie au thème qu'on a abordé précédemment, et l'image, donc qui vient augmenter finalement ces points d'eau. Et à chaque fois qu'on a un impact, il va se passer quelque chose dans le bassin. Ça devient une espèce de clepside où on crée une animation comme ça, un rythme qui intègre complètement les deux dimensions. Donc il y a des motifs, par exemple, où on utilise les ondes physiques de l'eau, de la goutte qui tombe dans le bassin, et des ondes qui sont des images. Donc là, on voit en fait le dispositif. Pour faire un truc comme ça, il faut travailler avec des plombiers, des robinets industriels, il faut une partie électrique, et puis synchroniser tout ça, trouver les temps qui correspondent à la chute des gouttes d'eau, et créer l'animation en intégrant justement la dimension physique à l'intérieur du dispositif. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer ici. Vous voyez en fait les ombres de la lumière dans l'eau, et les ondes vibrées. Donc toujours avec cette notion de la vibration universelle, hein, il faut savoir que tout est vibration. Là, on est en fait sous le niveau de l'eau. Ça a été présenté aussi à la Gaieté Lyrique l'année dernière pendant l'exposition des Creators Project. Donc bon, toutes ces vidéos, on peut les voir sur Internet. Hein. Superfluidity, c'est carrément c'est la métaphore d'un état de la matière, d'un état quantique de la matière, qui est particulièrement intéressant. C'est un état qu'on obtient quand on est en dessous du zéro absolu, donc il y a des gens qui vont savoir ça mieux que moi, c'est une température très 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 froide, et où finalement tous les atomes d'un superfluide sont connectés et reçoivent les informations en même temps, en étant délocalisés. C'est-à-dire qu'un atome peut être distant d'un autre, il va recevoir la même information de rotation, de chaleur, et finalement c'est une métaphore du réseau. Et nous, on a créé cette installation, qui est une installation musicale, comme vous pouvez ne pas l'entendre, où on a cette grille sur laquelle on va composer un certain nombre de... Enfin, une plaque musicale qu'on valide. Et une fois que cette plaque est validée, donc vous avez cette ligne qui passe dessus, qui vous permet d'entendre, de faire résonner ces différents points. Une fois que cette plaque est validée, elle vient s'enfoncer sur les 10 plaques qui ont été créées précédemment. Et ce qu'on entend, c'est la superposition des 10. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de fade-out continuel qui fait que les plaques sont de plus en plus, le son est de plus en plus bas jusqu'à disparaître. Et c'est pareil, une installation en ligne donc qui existe physiquement sous la forme de ce bassin en plexiglas dans lequel on extrude finalement l'image à l'intérieur de cette solution liquide.
avec de la fumée, et en même temps, on interagit avec les internautes, où on peut uniquement jouer sur, sur Internet et jouer à plusieurs, en fait. C'est vraiment une sorte de, d'instrument de musique collectif, et dans lequel, finalement, on se retrouve, chaque utilisateur, à l'état de, d'atomes connectés dans une même matière. Alors ça, c'est vraiment un thème qui est très, très important pour nous. C'est aussi ce rapport entre l'art et la science, c'est-à-dire qu'on est tous interconnectés. Un artiste, il n'est pas artiste pour lui-même, il est artiste sur une portion de population dans laquelle il y a quelqu'un qui est ingénieur pour lui, il y a quelqu'un qui... il y a une espèce de, d'interconnexion cohérente comme ça entre les différents individus. Et c'est intéressant pour nous de réussir à le mettre en, en lumière ou le mettre en scène à travers les installations. Donc voilà, ça c'est l'interface en ligne que vous pouvez retrouver, electronicshadow.com/sf. Vous allez retrouver ce cube en 3D temps réel et vous allez pouvoir interagir directement et écouter ce qui se passe en, en temps réel, comme une sorte de radio. Éco-énarcisme renvoie au thème mythologique. C'est en fait un espace de visualisation de, d'informations qui sont en fait divisées dans des proportions qui nous permettent de les voir évoluer. On a par exemple le nombre de naissances, le nombre de décès en temps réel, le nombre de kilomètres qui sont parcourus par la Terre. Et en temps réel, on a ces informations qui viennent se rajouter. Et à l'intérieur du bassin, on voit ces mêmes chiffres qui sont réduits à une portion visible. C'est-à-dire qu'on voit la vitesse d'apparition des naissances pendant quelques secondes. Et en fait, quand on se penche dans le bassin, il y a une petite caméra qui nous montre notre propre image. Et en fait, ça fonctionne à tous les coups. On est fasciné par notre image. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'arrête de regarder le reste. Donc c'est cette métaphore d'éco-énarcisme et de ce conte mythologique à l'échelle de mon rapport à l'ensemble de la communauté. Donc toujours dans ce travail sur la matière et les théories scientifiques, Chaos Theory, qui est une de nos dernières installations qu'on a présentée à la Biennale de Moscou en septembre et qu'on va présenter à San Paolo dans 15 jours, où on reprend en fait ce principe de la soie qui est mise en mouvement par des ventilateurs, où on a en fait un motif extrêmement liquide, fluide, où on a une espèce de rivière, de portion de rivière qui vient couler comme ça sur ce voile, et en fait toujours cette notion de présence quand notre présence est signifiée au système, il se met finalement à s'enflammer, on passe de ce motif extrêmement lent et fluide à quelque chose de beaucoup plus violent. Donc la théorie du chaos, c'est la théorie des théories scientifiques. C'est l'idée qu'une toute petite erreur de calcul prend des proportions exponentielles et peut générer des résultats qui sont totalement imprévisibles. Donc c'est en même temps une théorie qui est extrêmement poétique, c'est l'idée du battement d'ailes de papillon. Et évidemment, qui était totalement cohérente dans notre travail. Alors, à côté de ça, justement, ce que je... Hop. Voilà, à côté de ça, régulièrement, c'est quelque chose qui peut intervenir dans l'univers du design, de la scénographie, mais sans trahir cette notion d'expérience et sans aller... Ok. Alors, à ce moment-là, je vais aller beaucoup plus vite que ça, parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de projets, d'expériences, de spectacles. Là, c'est notamment un spectacle qu'on a créé avec un groupe de rock qui a donné lieu à un certain nombre de projets. Je vais vous montrer juste quelques images de ce clip, toujours sur cette idée du rapport entre la fiction et la réalité, puisque là, on a mis en scène un principe d'interface tangible, où à partir d'une table tactile, on a également ensuite des éléments qui se matérialisent physiquement. Donc ça, je vous invite à le voir sur Internet. Donc c'est le projet qui donne lieu aussi à mise en scène du Grand Palais pour la nuit électro il y a 2 ans, avec toute une série de dispositifs qui tournent autour des 4 éléments. Donc au départ, on a ce grand voile d'eau, cette grande cascade qui coule comme ça dans la partie nord, et puis à un moment, un grand voile de 2000 m² qui s'élève dans la partie sud, sur lequel on projette également des images. Là, on est dans le tableau du feu, pendant qu'on a une éclipse en fond de scène, etc., etc. Donc ça, je vous invite à regarder sur Internet, parce que je voudrais aller assez rapidement pour aborder un autre sujet, qui est justement la dimension, c'est la suite. Qu'est-ce que ça devient, comment cette
ces idées peuvent s'intégrer dans notre environnement au-delà de la dimension artistique. Donc c'est une installation qu'on a faite chez Microsoft qui fonctionnait avec leur table surface sur l'idée que, encore une fois, l'espace est un média et qu'on peut modifier cet espace. Bon, ça, c'est la simulation et la réalisation. Qu'on peut modifier cet espace à volonté comme on pourrait changer de chaîne sur une télé. Donc toujours dans cette idée-là, une caméra obscura avec un système qu'on a appelé Atmospheres, dans lequel, dans une table basse, on retrouve toute une série de sphères, de modules, qui correspondent chacun à un environnement qui vient modifier comme ça complètement notre espace, et de la même manière qui peut être synchronisé avec de l'image, de la lumière, du son. Donc on arrive en fait à une notion d'habitat hybride, où on va venir finalement superposer l'espace physique et l'espace numérique, l'espace virtuel, en réseau. Ça donne lieu alors, à un projet justement qu'on a fait ici à Cap Digital, parce qu'on est membre de Cap Digital, qui s'appelle eWindow, qu'on a présenté l'année dernière à Futur en scène, et qui était finalement la première proposition sous forme de produit, ou en tout cas d'un concept, d'un système, qui peut rentrer, qui peut s'intégrer dans l'espace public ou privé, à travers l'image aussi simple que des fenêtres, une métaphore aussi simple que celle des fenêtres, dans laquelle on a un principe de média d'environnement qu'on peut appeler à volonté à l'aide de son téléphone ou de son iPad, avec vraiment cette notion d'espace qui devient un média. Ce concept s'applique également à l'architecture. En 2006, on a remporté un concours avec les architectes Jacob McFarlane pour le FRAC d'Orléans, dans lequel finalement on a imaginé une surface sur le bâtiment qui est une surface d'image. Mais en fait, le bâtiment n'est pas un écran. Le bâtiment est fait de plein de creux et de bosses, comme dans le travail de Jacob McFarlane, sur lequel finalement l'image vient se poser comme un mouchard à billes, un petit peu comme si on venait percer des trous dans un bâtiment qui était rempli de lumière. Donc ça, c'est les simulations. Et ça, c'est les premières images. Donc vous êtes vraiment les premiers à voir ça, si ça marche. Bon, évidemment, les deux sens pas, mais c'est le chantier en fait qui est en cours et qui va ouvrir en 2013. Donc toujours dans cette idée, et toujours pour terminer, un des prochains projets qu'on va présenter pour l'île 3000 en octobre prochain, et qui s'appelle Eternal Sunset, qui va être la projection d'un soleil virtuel en boucle sur la façade d'un immeuble totalement réfléchissant. Et en fait, on ne va pas utiliser l'image, on ne va pas projeter l'image. L'image va servir de référence à un système de lumière, et c'est la lumière qui va être projetée sur le bâtiment. Donc on a encore une fois cet aller-retour entre la dimension physique et la dimension immatérielle. En fait, il faut savoir qu'on va fêter c'est le 150e anniversaire du tableau de Monet qui s'appelle Impression Soleil Levant. Et là, en fait, on lui rend hommage à ça à travers un soleil couchant. Et donc j'en terminerai avec la citation complète de Henri Bergson. Qu'est-ce à dire ? Sinon que ma perception dessine précisément dans l'ensemble des images à la manière du nombre ou d'un reflet des actions virtuelles ou possibles de mon corps, ce que j'ai dit tout à l'heure. Or, le système d'image, où le scalpel n'a opéré qu'un changement insignifiant, est ce qu'on appelle généralement le monde matériel. Et d'autre part, ce qui vient de s'évanouir, c'est ma perception de la matière. D'où provisoirement ces deux définitions. J'appelle matière l'ensemble des images, et perception de la matière, ces mêmes images, rapportées à l'action possible d'une certaine image déterminée, mon corps. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, il y a des œuvres qui sont vraiment conçues pour ça, c'est-à-dire notamment comme Exil, ou des œuvres qui intègrent vraiment la dimension de cette stratification. Sinon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une œuvre comme celle-ci, c'est un protocole. C'est-à-dire que, contrairement à un tableau, le vidéoprojecteur qui est utilisé n'a aucune importance. On peut utiliser l'un ou l'autre. Mais par contre, le programme qui va être lancé dessus et les conditions de restitution de l'expérience sont l'œuvre. Donc en fait, il y a toute une série de plans, d'images, de programmes qui peuvent être adaptés dans un espace donné. Notamment quand on expose à l'étranger, ça arrive souvent, on envoie les plans et on vient découvrir un bassin différent à chaque fois. C'est-à-dire que pour nous, la matérialité du bassin n'a aucune valeur.
La valeur, et justement c'est vraiment le cœur de notre travail, c'est de déplacer la valeur sur l'immatériel. J'en reviens aux Japonais. Quand un temple qui a 1000 ans brûle ou est détérioré, ils le reconstruisent à l'identique, ils changent planche après planche. Pour eux, ce qui est important, ce n'est pas la matière du bois qui fait le temple, c'est le dessin du temple et c'est la perception qu'on a du temple. On n'est pas dans une culture ou dans une logique de vieille pierre. Donc en fait, elles survivent à travers ce protocole, à travers ces plans. Chaque heure, on a un dossier avec à la fois les conditions qui permettent de la réaliser et à la fois les programmes. Quand on est dans une œuvre comme 3 minutes au carré ou H2O, H2O, on l'a fait en 2004, ça veut dire que le bassin fait 5 mètres, l'espace est quand même assez grand, on utilise un vidéoprojecteur et l'ensemble de la résolution, aujourd'hui, c'est sur des standards techniques qui sont assez anciens. Par contre, on va laisser ces standards techniques intouchés, parce que là, pour le coup, ça fait partie de la plastique de l'œuvre et ça fait partie de sa façon de vieillir dans le temps. Il y a pas mal de choses dans différents domaines. Donc, en fait, on poursuit les projets. Les projets ont un cycle de vie assez long. Et ensuite, on a plusieurs projets. Donc, l'ouverture du FRAC Centre à Orléans en 2013, avec finalement une intervention qui est permanente. Permanente, ça veut dire 30 ans minimum. Donc, c'est pas permanent, mais en tout cas, la logique et la permanence et l'installation dans l'espace urbain, dans la dimension architecturale. Il y a l'île 3000, donc avec cette œuvre Eternal Sunset, qui va durer 3 mois à partir du mois d'octobre. Ensuite, il y a toute une série de projets qui poursuivent l'expérience One Man One Tree et cette idée d'avoir un lien, de créer un média entre la dimension immatérielle et l'expérience de l'installation interactive avec des actions réelles. Donc il y a d'autres villes en fait qui sont candidates pour exposer l'œuvre, avec à chaque fois l'idée qu'on puisse la créer en lien avec des actions locales. Et à côté de ça, on a la volonté de sortir un petit peu cette démarche d'espace hybride du pur champ artistique, en restant sur une dimension artistique, mais pour essayer de développer justement des solutions qui permettraient de les faire entrer petit à petit dans l'habitat à travers toute une série de projets qui sont plus de l'ordre de l'architecture ou du design. Merci beaucoup.